Salut à tous, c'est MaxDK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator, donc sur la carrière suivie Land of Italia épisode je ne sais plus combien, enfin bref c'est pas grave. Et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va récolter eh bien la paille, voilà. Hors vidéo, j'ai moissonné quelques champs, puisqu'il y en a tellement à faire que voilà, on va pas tous les faire en vidéo. Donc j'ai fait pas mal de champs. Oh purée, j'ai failli me prendre le fossé. Alors au départ, je voulais faire ça avec le CVX, mais en fait la grosse chargeuse est tellement grosse que du coup voilà, c'est pas super. Hop, donc, voilà. Regardez. Merci. On va se mettre sur la chargeuse. BFTB. Voilà. On peut préserver. Voilà, c'est ça. Donc c'est parti. Donc on peut en mettre pas mal apparemment dans cette remorque. Jusqu'à 60 tonnes. Donc c'est pas mal du tout. Enfin, je sais pas si c'est 60 tonnes, mais en tout cas on peut mettre jusqu'à 60 000 la mesure de farming, donc c'est quand même pas mal. J'ai enlevé le petit truc parce que c'est jamais très agréable. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc je me débrouille pas super bien. Je l'avais jamais fait jusqu'à présent. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi on fait ça, c'est pour faire des vaches. Donc beaucoup de personnes m'avaient demandé de faire des animaux dans mes vidéos. Souvent j'en faisais pas parce que je savais pas en faire, mais il se trouve que sur cette map c'est carrément hyper simple, donc c'est pour ça que je vais en faire, voilà. Hop. Il y a pas mal de champs à faire, donc je sais pas si on va passer toute la vidéo à faire ça. Je pense qu'on va faire une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Beaucoup de personnes aussi m'ont demandé pourquoi je coupais mes vidéos et que je marquais à suivre derrière. Tout simplement parce que quand je fais des vidéos qui sont trop longues, et ben je mets hyper longtemps à les upload, tout simplement. Donc c'est voilà pourquoi. Je vais vous faire un petit peu la présentation du mode de la chargeuse. Donc elle est vraiment assez classe, je trouve. Elle est super belle. Elle est assez énorme. Et on peut dire d'autres à part qu'elle est super classe, qu'il y a plein de petits détails qui sont pas forcément dans les chargeuses de base. Par contre elle a un prix et c'est quand même un prix assez énorme. J'ai payé cette chargeuse 100 000 euros, donc j'avais 180 000 euros, j'avais prévu de rembourser le prêt que j'avais fait. Et finalement je l'ai pas remboursé parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Sinon j'en avais pris une autre un tout petit peu moins chère, mais enfin beaucoup moins chère, mais aussi beaucoup plus petite. Et si vous voulez, j'avais pas envie de passer toute la vidéo à faire des allers-retours jusqu'à l'endroit où on pose le four, la paille. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça aussi que j'en ai pris une grosse. Hop. Faire de mon tour. Par contre elle ça fait, on bat pas très bien avec cette chargeuse. Par contre on en met énormément dedans parce qu'on est à 28%, alors que avant avec celle que j'avais il y avait on pouvait mettre jusqu'à 10 tonnes dedans et c'était pas très pratique. Et si vous aviez envie de faire des alertes tout le temps, je vous la montrerai parce que je l'ai pas revendue, justement pour vous la montrer. Donc je vous la montrerai juste après. Elle est à l'endroit où on met la panne. Voilà. Après aussi on s'occupera peut-être de l'herbe dans les prochains épisodes, mais pour l'instant on s'occupe de ça parce qu'il y a pas mal de champs à récolter la paille. Donc je récolte un petit peu comme un gros cochon. Vous pouvez voir qu'il en reste un petit peu partout, mais bon c'est pas grave, il y a tellement de paille que voilà. Et puis les vaches ça demande quand même pas mal de paille, mais pas non plus hyper beaucoup, donc voilà. Ça sert à rien de ne pas gâcher surtout tous les champs qu'il y a en blé et en orge. Donc c'est pour ça. Hop, je vais peut-être pouvoir accélérer un peu.
Ouais, c'est bon, je peux essayer. C'est assez classe comment ça remonte et tout, et puis la chargeuse a fait une espèce de poussière assez classe. Par contre, je viens de voir que le JCB était à 93% de dommages, et c'est assez énorme. Je me demande pourquoi, parce que j'ai pas foncé dans rien du tout, quoi que ce soit, c'est peut-être un bug. J'hésite à enlever le mode de mage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que même si c'est la version moins réaliste, je trouve qu'il est quand même un petit peu buggé. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à ce propos, et puis et voilà, parce que j'ai tout le temps des problèmes en début de vidéo parce que des véhicules se mettent à 100% du dommage d'un coup et je me demande pourquoi. Donc c'est toujours pour ça que j'ai plus beaucoup d'argent en début de vidéo. C'est pas forcément parce que j'ai acheté un nouveau véhicule ou quoi. C'est juste à cause du mode de mèche, parce que ça coûte vraiment vraiment assez cher. Voilà. Hop. On va prendre ce petit appareil. Après, on va faire la dernière ligne. On va pas se casser la tête à faire tout ce qui reste là. C'est pas super gênant. Mais on va tout de suite passer après au prochain choix. Voilà. Arrêter ça, donc je crois qu'il me semble que c'était V, et puis c'est pas quoi désactiver, c'était B. Voilà. Allez. Donc vraiment tout est actif dans cette machine. Je trouve ça vraiment vraiment bien fait, vraiment classe. Je dis GG au modeur, parce que c'est pas souvent que ce genre de machine est aussi bien réalisée. Bon, même si elle vaut un peu cher, mais je veux dire que c'est le prix à payer. Voilà, et puis elle est vraiment géniale. Hop, c'est parti, on va attaquer ce champ là. Par contre, on va peut-être se mettre une cascade dans ce champ, parce que sinon on va pas monter. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, je suis un petit peu malade, bon rien de grave, j'ai un petit peu mal à la gorge et puis je suis un peu enrhumé, mais sinon ça va. Non, me dis pas que tu vas pas monter quand même. Attends. Oh purée, il patine. Ah, ça patine. Bon, on sent le frein en descente. Hein. Il devrait peut-être un petit peu d'élan. Voilà. Bon, on est descendu comme un dingue. Mais c'est pas bon. J'espère qu'on va monter maintenant. Non, il arrive pas à monter. Mais dis pas ça quand même. Oh non. Oh non, je monte quand même. Attends. Bon, je sens qu'on va devoir faire demi-tour. Oh purée. Par le chemin. Hop, on va faire le tour par le chemin. Je sens que ça va se passer comme ça. Quoique. Oh, la pente est un petit peu moins forte ici. On peut peut-être essayer. Hop. On peut peut-être essayer par ici. Ouais, ça va monter. Oui, c'est bon. Ça passe. Enfin, j'espère. Oui, non, c'est bon, on a fini la côte. On va passer. Ouais, c'est à l'heure, c'est bon. Donc, vraiment, excusez-moi pour ça. Je suis vraiment un petit peu malade, donc rien de bien grave, pardon. Et c'est jamais très, très agréable. Ah, j'avais pas vu que le champ était aussi grand. Non, c'est pas grave. Ça va se faire en palme. C'est vraiment pratique avec cette chargeuse, parce qu'elle met vraiment beaucoup de... Elle met vraiment beaucoup dans sa benne. Par contre, j'ai des baisses de FPS, je ne sais pas pourquoi. Bizarre. Hop, on va pas commencer la ligne ici. On va faire toutes les petites lignes là, parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi quand j'ai moissonné. Me demandez pas pourquoi. C'est peut-être ouvrier, parce que j'avais peut-être engagé un ouvrier dans ce champ. Enfin, je m'en rappelle plus trop. Enfin, hop, peut-être comme ça. Ici. Ouais, en fait, c'est un tout petit tableau. C'est pas grave. Hop. Bon, on va aller commencer
à l'autre bout là-bas. Ça tourne pas très bien avec cette grosse chargeuse derrière. Mais bon, c'est peut-être aussi le tracteur qui tourne pas très bien. Parce que je pense qu'avec le CVX, ça aurait aussi mieux tourné. Parce qu'il brade vraiment très très bien le CVX. Il est aussi un petit peu buggé parce que je l'avais mis au départ sur cette remorque. Je sais pas ce qu'il avait, il s'est mis à 100% de damage d'un coup et j'ai pas trop compris pourquoi. Purée, il est trop vite. Il n'y a pas le tour. Une petite ligne, mais rien de bien. On va se mettre ça ici parce que. Ah, ça va trop vite. Je pouvais pas le ralentir. Oh là là. Oh, aïe 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 aïe. Elle fait des traces, j'avais pas vu, elle fait des traces, ah ouais. Ah, c'est assez classe, ça, elle est vraiment bien faite. Par contre, là, on est coincé. Hop, on va remonter par le même endroit que tout à l'heure. Elle fait des traces, c'est assez classe. Hop. Oh, mince. Hop. Parti. À fond les bananes. C'est sûr que quand il y a autant de paille dans une chargeuse comme ça, même s'il est assez puissant, ça tire pas toujours. Hop. On va tomber, toi. Hop. On va faire un petit demi-tour ici. C'est assez chaud de faire demi-tour avec cette machine. Mais bon, on va y arriver. Allez, c'est parti. On va monter cette petite côte quand même. Oui, tranquille. Bon, on est à 90%. J'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'à 100% et éviter de. Bon, on va faire les petites lignes qu'il y a là-bas pour éviter de s'emballer dans la pente et d'aller au final trop vite. On va pas aller dans cette pente, c'est assez risqué d'aller dans cette pente. Donc voilà, la moissonneuse est en bas ici, parce que je voulais commencer ce champ, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Vous savez tout. Et la benne est normalement aussi en bas, ouais, elle est là aussi. Oh, on s'emballe. Je vais bien éviter de m'emballer. Ah, bah on est à 100%. Ok. Allez, est-ce que ça s'est arrêté? Ouais, c'est bon, on peut y aller. Alors, je vais vous montrer où est la réserve de paille. Hop, il faut baisser en bas. On va éviter que ça s'emballe. On va éviter d'aller trop vite pour ça. Parce que j'ai pas envie de refaire tout à l'heure le méga accident là. Enfin, méga. Oh purée, ça s'emballe. Ouh, ça s'emballe. Très bon. Ça s'emballe. Vraiment assez classe toutes ces traces là, ces petites traces. C'est vraiment bien fait. Je suis bête, je regarde, mais il n'y a pas de voiture. Hop, 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 hop. C'est bon. Ok. À fond. C'est parti. Consomme quand même hein, le petit consomme quand même le petit JCB avec cette remorque. Je pense qu'elle doit être lourde et que du coup ça doit tirer un peu. On passe par la ferme, c'est pas le chemin le plus court, mais bon, c'est pas grave. Et on va ralentir pour éviter de s'emballer. Hop, c'est bon, ça passe. À fond les bananes et c'est parti. Donc c'est dans ce petit bâtiment qui est au bout du chemin. Voilà. Wouhou! Il a failli faire un énorme accident. Il a failli se prendre un énorme accident. Voilà. C'est ici. Ça va être assez chaud de vider avec avec un truc de cette taille. Mais je pense pas y aller.
pas essayer de faire une tour ici. Voilà, on va mettre notre tracteur là et après on va faire la marche arrière. Hop, voilà, on va faire la marche arrière ici. Ça va être assez chaud, assez risqué. Et on devrait. Si déjà je m'engage mal, ça va pas aller. On va se mettre comme ça. Voilà. Et est-ce que c'est classe comme on dit? Ah, c'est dommage, on peut pas voir. Ça a l'air. Attends. Ah ouais, c'est quand même assez classe. Bon, vu ce que je vois. Par contre, ce qui est assez dommage, c'est qu'on ne voit pas le tas de paille qui augmente. C'est assez dommage, mais bon, c'est pas très grave. La map est tellement bien faite que si c'est que ça à reprocher, alors. Et on va descendre du tracteur et je vais aller vous montrer la petite remorque. Donc au départ j'avais pris celle-là mais on peut mettre que 10 tonnes dedans. Vous voyez qu'elle est bien plus petite par rapport à l'autre et c'était vraiment assez chaud. Il fallait tout le temps faire des allers-retours et du coup voilà quoi. Donc on y retourne, on perd pas de temps. À fond la caisse. Oups, désolé, j'ai donné un petit coup dans mon micro. Ça va pas très gênant. Hop. Voilà, ça fait combien de temps là? Ouais, ça fait pas encore très très longtemps. Donc on a encore le temps de faire la vidéo, de continuer la vidéo, pardon. De faire une vidéo. Attendez, est-ce que c'était là? Non, bah. Peut-être. Il me semble que je me suis trompé. Ouais, c'est pas là. On va faire mon tour. J'ai pris à droite, on va prendre à gauche quand même. Gros début. Voilà. Waouh, et après je me mange un gros talus de la mort. Voilà. Une petite baisse de FPS ici, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je suis à 14 FPS. C'est peut-être parce qu'il y a tout, la ferme et tout ça. Et puis aussi, je pense que en fait, hier j'ai modifié un truc. Vu que mon PC n'est pas très puissant, je mets les graphismes de farming en médium et là je les ai mis en hit. Et Keta. T'es monte. Et oui, donc je disais que j'ai mis mes graphismes en hit. Et du coup je pense que c'est pour ça. Bon, on va essayer de grimper ici. Ça devrait y aller tranquille vu qu'elle est. La benne est vide. Sauf si on passe par là. Forcément, on passe par l'endroit le plus compliqué. Je suis pas très doué, moi, des fois. Attendez, est-ce qu'il est baissé ou il est remonté? Hop, on va le baisser. Et c'est parti. À fond. Je ne dis pas qu'il va quand même pas monter. J'espère que ça va monter quand même, parce que là. Oh non, attendez, il va pas monter. Oh, il montera pas. Bon, tant pis. Je conduis comme un fou furieux. Hop, on va pas essayer de monter par là, on va plutôt essayer de monter par là. Ce sera plus simple. On va faire les deux petits bouts qui sont ici. Allez, on tourne à fond, ça va y arriver. Voilà, c'est bon. On y arrive tranquille. Hop. Voilà. Voilà, on va continuer ici, c'est pas bien grave.
passe au retour quand on aura fini le champ, quand on est en bas. Voilà. Ensuite, on va faire ce petit morceau ici. Par contre, on va se limiter en vitesse 2 parce que sinon, je sens qu'on va aller trop vite. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ce petit morceau là d'ailleurs je sais même pas ce qu'il faut, c'est pas grave. Oh, vraiment désolé parce que c'est pas terrible, j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure, mais... c'est bien parce que une fois que j'aurai fini ça, je vais pouvoir déchaumer ce champ, ce sera pas mal. On va vite faire des tours pour éviter de rester coincé en bas. Allez, appuie sur les tours moteur. Allez, on force un petit peu sur le moteur, c'est pas grand chose. On va finir ces deux petites allées en bas, là-bas, et puis après on finira par là, tout ce qui reste ici. Là, on a une magnifique vue sur toute la ferme, même si on la voit pas en entière, elle est pas totalement chargée. Les graphismes ne sont pas au maximum et que enfin, voilà, c'est quelques trucs qui font que farming au graphisme maximum est quand même mieux, mais bon, moi j'ai pas le PC qui fait tourner farming au maximum, donc voilà, pour dire qu'il est vraiment pas trop puissant, mais ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Voilà, petit indice. Je pourrais faire tourner farming au maximum sans problème après. Mais ça, ce sera bientôt. Bientôt. Ce sera quand j'aurai plus de problèmes avec mon vieux PC tout pourri. Enfin, j'ai déjà de la chance d'avoir un PC de cette puissance. Tout le monde n'a pas. Pardon. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un. Déjà d'avoir un PC. Et puis d'avoir un PC qui puisse faire tourner des jeux, parce que y a pas, enfin il faut faire tourner farming, il faut pas un PC extraordinaire, mais il faut quand même un bon PC quoi, parce que si on se lance dans l'aventure YouTube, il faut pas se lancer sans rien du tout, parce que sinon on n'y arrivera pas. Si on se lance dans l'aventure YouTube sans aucun matériel, comme j'avais fait moi au départ, je pensais que YouTube, vous voyez, c'était comme ça, c'était facile de se faire des abonnés, tout ça. Mais en fait, pas du tout, YouTube, c'est vraiment très compliqué. La preuve, aujourd'hui, je n'ai que 31 abonnés. Mais je vais pas me plaindre parce que je vois des personnes qui ont 5-6 abonnés et que leur chaîne marche pas trop. Puis j'ai certaines vidéos qui marchent quand même pas mal parce que je vois sur une présentation de map, j'en suis à 400 et quelques vues. Donc là, je suis vraiment super content. Et puis j'avais fait une présentation de PC un jour à 400€ qui a hyper méga bien marché. Donc je pense que je vais refaire pas mal de présentations de PC comme ça. Pour l'instant, j'en refais pas parce que c'est pas très très pratique avec mon vieux PC, parce que j'ai des problèmes de micro à cause de ma carte son qui est pas géniale. Mais avec mon nouveau PC, normalement, j'aurai une purée de cartes son. Pour ceux qui connaissent, j'aurai la Xonar Phébius, donc qui est vraiment géniale. Voilà, c'est une carte son un petit peu de DJ quoi, donc de gaming, DJ, etc. Donc voilà, c'est pas de la petite carte son, on va dire. C'est le top du top. Mais tout ça a un prix. Et je ne vous dirai pas lequel. Je vous le dirai quand j'aurai mon PC. Donc, voilà. Je vais regarder le dernier champ que j'ai à faire. Donc il est en haut. Il est en haut. Hop, je regarde juste l'heure. Là il est 15h28. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Mince, je suis purée. Il fallait faire la catastrophe ici. Bon, on va essayer de passer ici, même si ça va être chaud. Mince, on a accroché la petite voiture, c'est pas grave. Allez, on passe à fond la caisse pour essayer de monter.
Allez, ça monte, ça monte. Ouais, ça monte. Ça monte, ça monte. En plus, il accélère dans la moto. Oh, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Ou par contre, là, il y a une assez grosse montée. Je sais pas si on va réussir à la faire. Bon, là. Là après ça descend, mais l'autre quand on va faire le retour, je suis pas sûr qu'on réussisse à la faire cette montée. Enfin, au pire on fera, on remontera tranquille. Pas trop vite. Pas trop vite. Le truc c'est que là je touche à rien, ça accélère tout seul. Je suis juste en train de tourner, ça accélère tout seul. C'est aussi un petit peu pour ça. Hop. Là, allez à fond les bananes. Allez à fond, à fond, à fond. La montée elle est haute là, mais tu peux y arriver. C'est bon, tu peux y arriver, tu vas y arriver ou pas. Allez, 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 4 à l'heure, 4 à l'heure. Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, c'est bon, ça fait. C'était l'endroit le plus raide ici, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc j'avoue pas. À part celui juste à droite, il n'y a pas de raison que ça ne grimpe pas. Regardez. À fond les bananes. Oh purée, c'est quoi ce qui a sauté? Ça doit être une petite bosse. Hop. Pourquoi je me suis arrêté? Je continue. Hop. On va aller là-bas. J'ai encore des lags, je sais pas, enfin si je sais on va dire approximativement pourquoi, mais c'est pas tout à fait sûr. Bah je pense, mais c'est pas tout à fait sûr. Ah, c'est parce que des fois en fait ça, les FPS descendent, ça remonte, je sais pas pourquoi. C'est un petit peu à cause de mon PC, mais on va tranquille, on va tranquille. Hop, on va. Non, on va pas faire ce qu'il y a sur le chemin là-bas, même si c'est crade. Non, hop, on va. Attendez, on va peut-être prendre un petit peu d'élan. Donc, si on va faire ce qu'il y a sur le chemin finalement. Oh là 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 là, j'avais pas vu ça. Et on est quoi ça? Oups, purée. On fait du caca là, on fait n'importe quoi. Allez, c'est parti, à fond, à fond, à fond, à fond. Pas à fond. C'est trop raide pour la belle. C'est ça aussi le problème d'avoir un tracteur pas enfin, puissant. Mais pas hyper méga puissant et puis de mettre des gros trucs à tirer sur le tracteur. C'est ça aussi le problème. Donc je pense qu'au final on va garder ce JCB. Mais que pas dans l'immédiat, mais que plus tard on va se racheter un tracteur. Quoi. Parce que vous voyez là ça monte pas et puis c'est assez gênant. Quoi. Donc je pense que si on s'achetait un bon gros tracteur qui tire bien tout, je pense à un. Peut-être pas un Xerion, mais voilà quoi. Un bon tracteur, voilà. Bon, tu tires là ou quoi? Oh là là. Le chouchotte, il arrive plus à monter. Allez, tu montes là. Tu vas pas m'embêter maintenant. En plus, on met des traces partout, c'est absolument dégueulasse. Je sors de mon tracteur. Je pensais qu'on allait pas être embêté, en fait si. Bon. Là tu devrais monter quoi, quand même. Tu l'as bien fait tout à l'heure. Tu vas le faire là peut-être. Allez. On lâche rien. À fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Je peux y arriver. Non, je vais arrêter.
Oh là là. 97, 98, 98%, j'espère qu'on va arriver au bout de la ligne. 99 et... on n'arrivera pas au bout de la ligne. C'est parti. On va filer. Mince. Prends encore. What is it? What? Tout arrêté, mais il y a un espèce de bug là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Allez, on y va à fond. Non, là il y a un quel niveau. Là-bas il y a une route. Oups, pardon. Sans porte là, ça va trop vite. Hop. On va éviter d'aller trop vite. What? Oh, ouais. Non, il faut les tourner de l'autre côté. Ah, putain. Je pense qu'en fait, c'est là... Oh, purée, petit. Oui, oui, lag. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, lag? Arrête de laguer, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Arrête de laguer. C'est à cet endroit que ça lague, je pense. Je pense que ça laguait pas tout à l'heure quand on est passé. J'étais à 25-30 FPS. Je comprends pas tout. Ouais. Je peux pas jouer dans ces conditions, alors t'arrêtes de laguer. Là, je vois plus rien. C'est bon, ça s'est repris. C'est... Non, ça s'est pas relancé. C'est... Un petit peu. Bon, tu arrêtes là, s'il te plaît. Parce que là, du coup, je sais même pas où je vais. La lag. Bah écoutez, je pense que... Je pense que vu que ça lag... C'est pause où je suis. Ah voilà, je vois. On va peut-être pouvoir s'arrêter là. De toute façon, ça fait quand même pas mal de temps. Puisque ça doit faire une trentaine de minutes, je pense. Voire plus. Voire moins, je sais pas en fait. Donc je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Donc c'était MaxDK16 et puis. Attendez. Là. Je vais vous montrer comme ça. Donc c'était MaxDK16 et puis salut, bye bye, ciao. Et puis désolé, salut, bye bye, ciao.